Les premiers lâchers de moustiques porteurs de la Wolbachia seront effectués au mois de juillet. La Wolbachia, c'est cette bactérie qui, introduite dans le moustique, bloque la transmission des arboviroses, comme la dengue, le zika et le chikungunya. Si le procédé a été inventé en Australie, le moustique, lui, est bien calédonien. Cette souche de moustique calédonien que nous préparons pour pouvoir envisager dans quelques mois les lâchers de moustiques. Et puis d'autre part, la préparation de la population, c'est-à-dire qu'on est en phase de communication, on informe la population de ce qu'on va faire, de comment on fait cette intégration des moustiques, en quoi ça consiste et bien sûr les bénéfices que nous en retirerons d'ici la fin d'année, on l'espère, sur Nouméa. La méthode doit permettre d'enrayer l'épidémie de dengue à Nouméa, ville test du programme. 180 pièges seront posés chez des particuliers. Les volontaires sont en cours de recrutement. À ce jour, 50 foyers ont été désignés. Il faut que ce soit un environnement accessible, que ce soit aussi un environnement protégé et que nous puissions brancher le piège puisqu'il y a un petit ventilateur qui va aspirer les moustiques. Donc c'est vraiment une phase importante pour nous parce que ça va nous permettre d'évaluer les populations de moustiques que nous avons sur la commune et à différents endroits. Si l'essai est concluant à Nouméa, le programme Wolbachia pourrait être étendu à d'autres communes du territoire. Depuis le début de l'année, 1610 personnes ont contracté le virus de la dengue.